Ami Airsofter, bonjour. Aujourd'hui, comment passer votre réplique de chargeur type 5.56 comme ceci à des chargeurs type 9 mm comme cela. Donc aujourd'hui, je vous présente un accessoire qui se présente comme ceci. Donc c'est un adaptateur qui se met dans le puits de chargeur de votre réplique type réplique M4. Pour y insérer des chargeurs type 9 mm. Donc c'est un accessoire qui est fabriqué par Ares, qui est également fabricant de répliques. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, vous prenez votre réplique, vous prenez l'adaptateur, vous l'enfichez dedans, et le verrouillage du chargeur, vous entendez, se passe très bien. Ça ne bouge pas. Voilà. Bon, il y a un petit bras de levier, mais ça ne bouge pas. L'adaptateur ne bouge pas d'un poil. Pas de misfeed, je n'ai eu aucun problème de tir. Les billes montent très bien vers le canon. Et pour désengager le chargeur, il y a tout simplement un petit bouton d'éjection ici. Et voilà. Donc cet accessoire est vendu avec un Mac Catch. Pourquoi? Tout simplement pour éviter par inadvertance d'éjecter l'ensemble alors qu'on veut utiliser les chargeurs 9 mm. Dans le feu d'action, on a vite fait se tromper. Alors, la qualité de l'adaptateur. Alors, c'est du full plastique, à part le bouton d'éjection qui est en métal. Il y a un ressort qui est assez costaud. Il y a des traces de moulure, mais bon, c'est pas grave puisqu'il est caché dans le puits du chargeur. Alors, c'est pas le plastique qu'on retrouve sur les répliques polymères de chez Amweb. Le chargeur est du même matériau. C'est un plastique qui est mat, mais on aurait préféré quelque chose de métallique au moins. Ne serait-ce que pour l'esthétique. La solidité, par contre, j'ai pas eu de problème, je les ai balancés par terre, ça s'est pas cassé. Et attention, quand vous manipulez les chargeurs une fois qu'ils sont pleins, il y a comme un défaut. Cet adaptateur qui coûte une 40aine d'euros est vendu avec un chargeur. Et c'est tant mieux parce que des chargeurs, il va vous en falloir. Ce sont des chargeurs 45 coups, donc on est très proche du low cap. On est très loin d'un chargeur comme ceci mid cap qui contient 140 billes. Ici vous en avez 45 et ça part très vite. Donc c'est sympa pour donner un petit look pistolet mitrailleur à votre réplique. Un petit fusil d'assaut. Je me retrouve avec une réplique type SMG. Mais du coup, en jeu, ça donne quoi? Ça vous oblige à avoir un emport plus important que des chargeurs classiques, puisque, comme je vous dis, on est proche du low cap. Vous allez devoir recharger beaucoup plus souvent votre réplique. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de cet adaptateur? Alors, on va aller sur les avantages, ça va aller très vite. Je n'ai pas de misfeed. Donc là, c'est un vrai bonheur parce que je n'ai pas eu de problème de tir. La qualité fait que les billes montent très bien dans le chargeur, contrairement à des chargeurs M4 où j'ai eu beaucoup de problèmes. De marques différentes d'Amoeba, je me suis retrouvé en partie à tirer un coup et après il n'y a plus rien. Là, je n'ai pas eu de problème. Les 45 billes partent toutes, à part effectivement celles qui restent entre le chargeur et le canon. Alors, les inconvénients, on va commencer par un look parfois un peu discutable. Comme je vous le dis, ça passe plutôt mieux bien sur des répliques courtes, sur des répliques longues ça va être très moche. Le plastique est de qualité moyenne, je dis pas que ça va être qui va casser ou quoi que ce soit, mais les chargeurs ne sont pas esthétiquement ne sont pas très beaux quoi. Ils font vraiment pas très envie. Ils auraient été en métal, ça aurait été un petit plus, comme les chargeurs Glock 50 coups. Bon, on fait avec, l'avantage c'est que c'est léger. Troisième inconvénient, c'est du low cap, donc si vous n'aimez pas ça, n'achetez pas. Hein. Voilà, si vous êtes plutôt habitué à du mid cap, voire du high cap, ça ne va pas du tout vous plaire. Vous allez tirer trois fois, il va falloir recharger et ainsi de suite. Voilà. Donc pour faire simple, un chargeur comme ceci qui contient entre 120 et 140 billes, il vous faut l'équivalent de 3 chargeurs 9 mm. Donc à qui s'adresse cet accessoire? Et bien, tout simplement aux personnes comme moi qui ont envie de changer le look de leur réplique, qui trouvent que les chargeurs type M4, enfin type 5.56, ça ne convient pas. Donc si vous aimez jouer un peu plus tactique, ça devrait vous plaire, puisqu'il va falloir recharger souvent, économiser les billes. Il faut vraiment s'habituer à la taille des chargeurs et à leur faible capacité. Donc je n'essaie pas de vous convaincre ou pas d'acheter cet accessoire, c'était juste mon avis sur cet accessoire, que personnellement j'apprécie beaucoup.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager, liker, à faire des commentaires. Et quant à moi, je vous dis à un de ces jours sur les terrains.